Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, salutations à toutes internautes, toutes amies qui peuvent suivre nous là. Nous avons une émission spéciale que nous allons présenter parce que jeudi, c'est 2 octobre 2017. Côté que nous allons informer nos internautes et nos téléspectateurs. Amis qui peuvent suivre nous sous ondes radio Moloscotla et tant d'autres stations de radio à travers le monde, spécialement en Haïti, Tripota et La Caye, nous gagnera Balade FM, nous gagnons tant d'autres stations qui relaient nous. Et dans le contexte, ça, nous pensons que l'important, surtout le monde qui eux-mêmes, qui n'a pas de chance peut-être suivre nous sur Facebook, mais yo capable former numéro ça si yo dans la rue yo capable former le 641 793 40 77 641 793 40 77 ou bien 701 719 97 14 nous capable suivre en direct les grands dossiers de l'actualité et dans radio Moloscott là. Dans le contexte, ça, nous saluons toutes les autres radios qui relaient nous, que peut-être nous pas cité nous là, mais quand même, nous connaissons que qui relaient nous là, et chaînes de télévision qui toujours fait comme d'habitude. Non, Pam, c'est Edouard Laventure Ernest Moloscott. Nous prenons le passé, un bon petit temps ensemble avec internautes nous, et nous prenons le gagnant pour nous informer nous à la minute de tout ce qui a passé à travers le monde. Encore une fois, nous saluons toutes nos amis et puis nous profiter avant que nous commencions après gagner une information triste que nous prenons là, que nous pensons que qui pourrait concerner normalement Haïtiens qui vivent à l'extérieur, surtout dans la Guyane française. Dans le moment actuel que nous parlons là, il y a un groupe haïtien qui eux-mêmes qui réfugiés en Guyane française. Et côté que, il y a un consulat haïtien en Guyane française. Information que nous apprenons de bonnes sources, c'est que le gouvernement français, de côté Payot, yota normalement, d'un côté que haïtien sa yote bâti Kayo, non hauteur, eh bien, autorité la France, yo, ils ont décidé de dire que zone très dangereuse, haïtien ça au pape carité là, ils ont crasé toute caille ça au moment n'a pas lié là. Haïtien lagué deux bras pendus dans la rue côté yo pas contre qui ça que pour yo faire. Et autorité dans Guyane française yo pas décidé aider yo. Yo pas connaît si que moun ça aussi pour yo rentrer en Haïti ou bien côté que pour y aller. Mais pression très dure, côté nous mandé à gouvernement haïtien, dans le moment n'a pas les là, parce qu'il a pu suivre nous là en direct, n'a pas mandé en urgence, s'il vous plaît. Voyez une délégation dans Guyane française, accompagné consul qui dans Guyane française là, pour nous connaître qui ça que gouvernement français a fait avec pile haïtien Sadio. Kay ki otorite yo krasi kay yo, kote moun sa yo pa konn ki sa. Y'ap priye, yo pa konn si pou yo monte, si pou yo descend. Yo lage nan la rue ya, moment important pou le gouvernement haïtien, normalement pou yo kapab eseye wè, si yo te kapab rezout problème sa, avec gouvernement français. Parce que haïtien nan situation ki delika. Et nan point sa, nous pensons que l'important, nous lancer alerte là à autorité haïtienne, yo, signer des consuls capteurs de nous là dans l'autre pays, essayer rentrer en contact avec consulat haïtien qui lui-même qui dans Guyane française. Côté des Haïtiens qui n'ont situation vraiment pas bon et nous fait le devoir pour nous capables informer autorité nous yo, parce que nous Haïtiens qui à l'étranger là normalement, il faut que nous voyions les yeux. Et dans le contexte, ça, nous pensons que l'important, nous obliger et son devoir pour nous informer, nous.
Mais avant de passer avec annonce publicitaire, nous, on a pu saluer RC Caribbean Restaurant et plusieurs autres business. Mais en attendant, on a commencé par nos nouvelles. Après, on a gagné pour nous retourner là. C'est pour nous montrer que Haïtiens, il y a passé et partout côté au passé, et bien c'est dans la misère, dans la souffrance, dans l'humiliation. Alors, nous lançons appel là. Nous connaissons que l'autorité haïtienne a grand pile problème. Surtout le gouvernement qui est en place là. Mais l'important, pour ouvrir les yeux, sur le monde qui a passé misère dans la Guyane française. Et nous comprenons. Il y a maman, il y a petite, il y a papa. Et bien, le monde qui a un état vraiment pas bon. Il y a une jeune fille, je dis à la, il t'a déporté. Il est entré en 2016 dans la Guyane française. Il est à l'école. Autorité de Québec passeport. Il est vraiment professionnel, il est allemand pour lui parce qu'il est très intelligent. Et je dis, il y a un service immigration dans la Guyane française, mandé. Flanquer le dehors dans le pays. Il y a bien pour nous porter plus d'informations pour internautes qui ont suivi là. Normalement, on va continuer avec l'information que nous prenons à internautes, nos amis qui ont suivi là. Mercredi passé, nous avons une nouvelle. Côté que un représentant existe, déclaré. Il prend le fait aux États-Unis crier. Et il te dit, semaine, ça a venu là. Bon frappement qui prend le fait très dur. Jusqu'à présent, vraiment hier soir, les États-Unis frappaient. Ils frappaient pas propre petite lit. Et nous rappelons que représentant ça, t'es déclaré que yog était en dans les États-Unis. Et nous rappelons que c'était pas nos nouvelles là. Dans le contexte ça, hier soir, il était 10 heures, au moins 8 minutes. Normalement, il y a un monde qui lui-même, qui fait actualité, qui rentrait dans l'histoire, c'est Stephen Paddock. Ça, c'est non, monsieur. Qui a 64 ans. Information que t'as tombé, c'est que monsieur, t'as converti dans l'islam, ça fait 4 mois de ça. Mais qui pourrait avoir trop de confirmations en ce sens. Monsieur, son comptable, retraité, mais en anglais, au durant, en accounting, monsieur retraité, et normalement, monsieur te fait le devoir, à son âge, pour que lui-même, l'elfine travaille, eh bien, monsieur te remet à un casino, et qui s'al compte jouer. Il compte jouer pour que chaque méo, c'est 100 dollars que le jouer. Et c'est dans le moment ça, monsieur, d'après frère, qui lui-même, qui t'a suivi monsieur, frère a dit que monsieur, son est qui très sage, et n'a pas rappelé à internaute, qui a pu là, premier côté que monsieur t'a fait expérience, il t'a fait dans Orlando, en Floride, côté que monsieur t'a marié à madame ni, à savoir Stephen Paddock, il vient divorcer avec madame, non. Mais, dans le même contexte, ça, monsieur était venu à vivre dans une zone mesquite, dans Nevada, dans une localité qui est très croyante. Et dans le même sens, ça, après divorce, monsieur, frère qui est Eric, pas de chance, à savoir Eric Paddock, pas de chance pour te vivre à papal. C'est avec maman que le tape vive. N'a pas rappelé à internaute qui a pu suivre nous là, n'a pas suivi les grands dossiers de l'actualité. Stephen Paddock. Monsieur, normalement, t'es gagné papal, qui t'es relé monsieur Benjamin Hoskin Paddock. C'est non papal. Dans le même sens ça, n'a pas rappelé à internautes et auditeurs qui a pu suivre les grands dossiers de l'actualité. Papa, monsieur Benjamin Hoskin Paddock, en juin 1969, papa était arrivé à le casser une banque. Monsieur volait toute comme. Monsieur sauvé. Enquête vient mener la police québécoise, monsieur. Dans même 1969, ça, il mettait monsieur en prison.
dans la même année, M. Benjamin Hoskin Paddock, il a cassé la prison, il a sauvé la tête. M. Passé, il fait prendre la fuite. Et depuis lors, monsieur, il était l'homme most wanted. Ça veut dire que moun qui était plus recherché par service FBI ici aux États-Unis d'Amérique. Papa Stephen Paddock, dans le moment ça, l'elfine cassé banque là. Et bien, situation devine un peu dure. Monsieur sauvé, monsieur, y a pas de cajon, monsieur. Monsieur fait 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Le 5 mai 1977, il était arrivé vraiment arrêter monsieur, rejoindre monsieur dans zone Oregon. Et c'est là, en 1978, les qui ont fini arrêter monsieur, eh bien, monsieur était arrêté dans prison. Et pendant ce temps, le petit frère de Stephen Paddock, qui était Eric Paddock, monsieur pas de jambes gain chance pour te vivre à papal. Et à la fin, papa Stephen Paddock, t'es vinement dernier soupir. De côté Stephen Paddock, monsieur, non que monsieur, c'est ton comptable. Et pendant ce temps, yon nan bagarre en 1908, n'a pu rappeler que gon histoire te bay, et en 1908, situation était un peu grave, la famille Paddock, yon te rentré un peu dans l'histoire. Mais, son famille que t'ap suive, et papal, non dou sa que t'es passé li, normalement, de 1969 à 1978, et à la fin, ce jeune Stephen Paddock, monsieur était très intelligent, courtois, sage, mais monsieur était venu apprendre pilote. Information que de recevoir, monsieur était marié à une dame, madame Ni, et normalement, madame Stephen Paddock divorcée avec elle. Et d'amnan, dans le moment actuel que n'a pas parlé là, l'a vive dans la Californie. Il y a une information que nous recevons de Stephen Paddock. Monsieur, normalement, monsieur, depuis jeudi soir, monsieur était dans l'hôtel là. Et monsieur dans l'hôtel là, d'après Serventio, moun kap fè chanmio, il y a toujours un monsieur très croyant. Et y'a pas de jamais remarqué que on trace des âmes en dedans. Mais pendant ce temps, je suis rentré en dedans hôtel là, avec machine gun, rafale. Je suis rentré avec âmes courtes, âmes longues. Les je suis rentré en dedans hôtel là parce que y'a été annoncé depuis 2 mois pral gagner un grand concert country music. Côté que dans le monde de country music là, c'est en pile moun qui prend la donne, en pile génération. T'es gagné au moins 23 000 moun qui participaient dans le concert dimanche ça là. Dans ce sens ça, depuis jeudi soir, monsieur préparé. Monsieur rentré en dedans avec Amerly. Monsieur rentré avec un rache. Pour nous bien préparer, on a un bon créole. Je suis entré à Rachla, et puis je suis entré avec Rafala, Zamnan, au moins 3 âmes comme ça, 2 pointes, et je suis entré avec un pile munitions en dedans hôtel là. Hier soir, au moins plus que 22 à 23 000 mounes réunis dans Las Vegas, côté qui a chanté avec un pile contentement. Bravo! Parce que t'es un grand artiste qui t'a fait concert ça. Y'a même moun qui t'a décidé marié, joue concert ça là. Et c'est dans le moment que Stephen Paddock, 64 ans, monsieur t'es dans 32e floor.
et monsieur choisir pour que il fait action t'as pas le faire avant le faire il pas craser vitio avec zamnon il craser avec rache que le gagne dans chambre non et le ça il prend zamni à la hauteur et puis nous connaît que l'on a 32e floor ou a regardé tout le monde en bas au moins 22 à 23 000 moun ou gagne dans mon on raffole on gros âme captira la seconde et balio léo tiré et bien cap quand même 20 25 000 moun à la seconde ça dépend de gens que le tire. C'est dans moment ça que monsieur choisit à 10h08 du soir et bien monsieur commencé mettez balle sous moun. Là il commençait tirer, moun yo te pensé que c'est feu d'artifice. Et c'est là au gardé, yo moun a tombé à terre, moun a rampé à terre, moun pied cassé, moun prend balle dans tête, moun prend balle dans jambe, moun prend balle dans ventre. Côté que balle a détripé moun. Plus que 59 moun mouri en attendant. Plus que 500 moun blessés très grave, yon situation qui lui-même qui baille en pile moun à penser. Mais, nan point ça, nan kay que le terete a, te gon dame qui rele Marie Lou Danley. Cette jeune fille, qui, nan même moment, parce que m'su était dans l'hôtel là, li fin fait action. Cette fille, Marie-Lou Danley, était gagnée pour lui capable de rentrer aux États-Unis hier. Li raté vol là. Parce que c'est mon Philippine, l'Italie Philippine. Le raté vol là, li rete pour le rentrer jeudi. De justesse, cette dame, lui-même de côté pâle, qui était rete dans Kaila, avec Stephen Paddock, il n'y a pas de chance pour te rentrer. Il a raté voilà l'accepté rété dans Philippines. Et puis, action ça a passé. Je dis à un moment où n'a pas les là, normalement, il dit que Mounsayo a une chance en pile. Le FBI, service secret, allait dans Kaila. Même avant à Kaila, nous connaissons que dans chambre que monsieur était à la 32e floor. Les que soit team a cherché pour rentrer en dedans, pas capable. Yo obligé exploser porte là. Pendant que monsieur en dedans, monsieur a continué mettre balles au monde. Les exploser porte là, monsieur tant d'explosion, il tant de nous connaît que les ont action pour le fait du très souvent eh bien autorité ça a dit que c'est erreur ça a fait. Yo pas mettre walkie-talkie yo. Eh bien, off. Monsieur tendait, eh bien, son walkie-talkie, allez, un message qui a passé. Et c'est dans le moment ça, la situation est arrivée dans une phase. Côté que, en pile, moun vina poser question. Et, monsieur lui-même, tout de côté pâle, monsieur Ralezam, les fusillés tête li. C'est pour nous rappeler à internautes nous capé suivre là. Yon situation qui était vraiment triste hier soir et jusqu'à présent en pile moun a réfléchi. Jodi a là ISIS yon même de côté pa yo annoncé officiellement que attaque ça si yon même qui derrière. Mais service secret les États-Unis déclaré yo pa gen aucun preuve pour capable dit que son action terroriste de côté ISIS. ISIS décidé prend crédit ya. Mais nous connaît que mouvement ça son mouvement de terreur que lié tout son mouvement terroriste que le taillé. Les ISIS eux-mêmes yo choisi faire une telle déclaration, yo choisi pour prendre crédit ya. Mais autorité américaine a déclaré non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Monsieur, son élément, yon madman, yon badman, qui lui-même qui choisit peut-être de traverser son impasse, d'après autorité américaine, yo, qui t'a cause que monsieur faction, mais a continué à mener enquête. Et nous-mêmes, n'a pas suivre et nous rassurer, nous, à la minute, n'a pas gagné pour nous capables d'informer, nous. On tombe dans l'autre information ici aux États-Unis aussi. On tombe direct, dans un pays qui lui-même, toujours aux États-Unis, mais n'a pas le point, une part des États-Unis, dans Porto Rico. De côté Porto Rico, demain si je veux, il y a tant de présidents américains hein, pour que tu rentré dans Porto Rico. Mais grand difficulté de côté président, c'est que le président américain, M. Donald Trump, côté que moun Porto Rico, il dit que il a pas oublié président, que le tagon dette pour yo une dette qui t'a évalué à 33 millions de dollars. Dans le moment où président est dans business. Et dans le moment, business président est venu crash. Ça veut dire que il était tombé, bankruptcy. Dans ce sens, ça, président est obligé pas de payer comme ça. Dans le contexte, ça, n'a pas rappelé à internaute qui a suivi nous là. Le président Donald Trump, population a déclaré qu'il y a tant ni dans Porto Rico. Et date ça, il t'a obligé de rentrer déjà dans le pays. C'est parce que il n'y a pas de respect pour mon Porto Rico yo, qui ont parti de États-Unis. Dans le même contexte, ça, on a pu rappeler que le président, c'est certain, mercredi, qu'a vini là, l'y obligé pour l'y rendre dans Las Vegas. Côté que, l'y pral rencontrer parents victimes yo, et côté que, émettre ça, t'es causé. Yo dit à président, si que lui-même de côté pas l'état choisi, pour que le pavini pour Porto Rico, c'est sûr, mon dit, il n'y a pas besoin de présenter encore. Mais n'a pas rappelé à internet, non, yo, que moment ça, il est favorable à président américain, hein, M. Donald Trump. Ça dépend de gens pour gérer popularité, ça. Gens que nous te dit pour le pays d'Haïti, c'est l'histoire qu'a répété encore. C'est comme si que c'est presque même histoire qu'a répété. Nous rappelons un président qui est impopulaire, littéralé, gens que tout le monde connaît déjà, M. George Bush. Lorsqu'il te prend pouvoir, sous président, sous candidat à la présidence Al Gore. Normalement, tout le monde t'a pris président américain à l'époque. Un président impopulaire, manifestation, mécontentement de Mounio, il a déclaré que c'est Al Gore qui est président, c'est un gros problème. Et nous te voyons ça que fait succès, président américain, hein? C'était le coup réalisé à World Trade Center le 11 septembre 2001, qui te fait un, la popularité du président George Bush, deuxièmement, il prend responsabilité en qualité de chef d'État PIA. Et troisième étape là, normalement tout le monde est obligé à baisser au devant parce que dans le moment ça, c'est un travail qui t'a fait contre le terrorisme. C'est l'histoire qu'a répété encore. Le président américain, l'actuel président américain, M. Donald Trump, c'est un président qui est considéré qui est impopulaire. Mais qui quand même, qui a des doutes à l'égard de l'élection présidentielle qui fait aux États-Unis, normalement, en 2016 là. Ça vient prouver que les États-Unis n'ont phase qu'on y a dans le moment actuel qu'on n'a pas lié là. Côté que président n'est pas populaire. Mais je dis à là, ça qui passait dans Las Vegas là, si que président américain, M. Donald Trump, t'a géré le bien, c'est certain que le capable, popularité, le capable remonter, ça dépend de Jean Gérel et ça dépend de façon que lui-même devrait faire des déclarations. Je dis à nos Kawel très clair. Matin, il était 11h. Parlement américain, hein? Premier sorti au matin, hein? Qui ça offert? Il a choisi
mettez sous table là possibilité de impeach le président américain, M. Donald Trump. Laissez-nous parler de impeach, qui ça veut dire? C'est que il y a des enquêtes qui ont mené contre le président américain, M. Donald Trump, en disant que le président américain, son équipe, il était affilié avec le gouvernement russe qui a en tête lui, le président Vladimir Poutine, et au même de côté Payo, il t'a favorisé par le gouvernement russe avec Vladimir Poutine, accompagné les membres de l'équipe du président Donald Trump, et pour écraser Madame Hillary Clinton et fomenter résultat élection, et qui vient faire que le président américain, M. Donald Trump, vient arriver président. Maintenant, de très tôt, Parlement réuni pour être capable de mettre dossier, pour être comment on a traité dossier, au futur, est-ce qu'il y a une possibilité pour être un petit président? Dans la discussion faite, il est obligé de lever débat pour dire que moment n'est pas propice, pays en deuil, c'est pas moment pour nous parler pour un impeach président. Il est obligé de lever dossier et il dit you l'autre fois après retourner avec encore. Là nous voyons que qui chance que le président américain monsieur Donald Trump gagne moment ça événement produit hier là, il favoriser le président américain monsieur Donald Trump. N'a pas suivre les grands dossiers de l'actualité. Normalement nous pas capable salut sponsor nous yo parce que nous va venir avec en pile d'autres informations gomba qui passe Venezuela là que nous pensons que l'important pour nous partager à internaute nous yo n'a dit que sur coup 3 de Frankel Use Auto Sales qui dans 71 00 North Miami Avenue et le téléphone c'est le 786 357 21 47 48. Alors pour moun bo direct yo s'il vous plaît machine écrasée à jeune Frankel et la résout le problème dans pour vous. Non, quelques secondes. N'a pas salué RC Caribbean Restaurant, qui est trois restaurants dans Palm Beach, là. Dans Boynton Beach, 220 North Congress Avenue, téléphone 561-777-96-91. À Delray, 1100 Linton Boulevard, téléphone 661-562-85-20. Et puis, nous avons un Pompano, 39-3760 North East, 3e Avenue. Et téléphone RC Caribbean Restaurant, c'est le 933-32-80. Nous pas le gagner pour nous retourner là, pour nous capables de continuer, parce que sans annonce, nous yons, eh bien, nous pas tapons là. Et nous pensons que le support de ces membres nous dit merci. Nous avons salué CNG Multiservices, qui est dans 78-90 Wireless Road, et le téléphone 954-709-1422, ou 800-7188. Le nom, c'est César Petit Dieu, qui lui-même, pour un contact sous besoin, fait traduction, contactez CNG Multi Services. N'a pas le continuer, il y a l'autre information après dans l'autre annonce qu'il n'a pas le fait là, parce que nous avons le 4 novembre, un gros événement qu'il n'a pas le bien là, et que nous invitons tout le monde au fundraising pour Timounio capable à l'école en Haïti. J'ai oublié ça, m'a bien pour plus d'informations pour nous-mêmes. Et puis nous connaissons que le 21 août, le cap ici, pas de l'autre rendez-vous. Si on monte l'autre rendez-vous, on met campel parce que le 21 en West Palm Beach, New Look, nous événement demandé tout le monde mettez cravate et costume. C'est pas long fête de classe. N'a pas pour venir information. N'a pas rentré dans Venezuela. Comment situation? Président Nicolas Maduro annoncé que dans le moment actuel là, c'est lui qui a dirigé. Il était 48 heures de temps. À partir opposition, pour réunir, pour dire ça l'a fait. Il dit que si, dans ces 48 heures de temps, il n'a pas respecté parce que c'est quelques heures qui manquaient là, vous n'y en là. Si, il n'a pas respecté accord d'entente que le mandat pour faire là, entre tout peuple vénézuélien, l'a mettait outside, parti opposition, sacrivé le rivet. Il dit que je suis le chef d'État, m'pas gain pour me prendre l'autre dans mes moun, et m'apprend le travail pour me bailler une leçon à l'autre moun qui au même qui pensait que yo capable matraquer gouvernement pas maintenant. Président déclaré,
Moi tendais que parti opposition t'a fait manifestation. Moi dit yo mais crois maman yo mais crois papa yo en espagnol. Moi dit yo moi ba yo yo capable manifester dans local yo. Mais sorti prend béton prend la rue moi même moi interdit ça. Président américain monsieur Donald Trump déclaré que c'est la dictature totale. L'Espagne déclaré que c'est la dictature totale. L'Angleterre dit que même il faut que un changement. Président Nicolas Maduro déclaré. M'parêter avec États-Unis. M'parêter avec l'Angleterre. M'parêter avec l'Espagne. Moi grand monde la caille moi. Normalement, les n'a fait échange, nous prend gaz là même nous bon manger. C'est pas bon moi nous bon moi simplement. Moi gagner pour mon frit tout. Si il y a des déclarations qu'a fait. Nous ca bloquer parcours ça à tout. Parce que c'est pas nous seulement gagnant. Moi j'ai pétrole là quand moi et me capable frapper pied. La déclaration du président Nicolas Maduro. Président américain n'a pas dit rien, il était cool. Mais pendant ce temps, n'a pas rappelé que autorité américaine yo toujours gagnant comme éventualité d'une intervention sur pays Venezuela. Que même des autorités qui déclaraient que normalement il y a possibilité nous capable faire Venezuela paix bouche. Maduro a parlé mais nous capables de faire le poser. Gen moun qui était plus chaud passé. Et autorité américaine, ont parlé de plusieurs autres moun. Ils ont parlé de Yasser Arafat. Ils ont parlé de Kadhafi. Ils ont parlé, normalement, de président Panama, le général Manuel Antonio Riega. Ils ont parlé aussi de d'autres moun qui ont même, qui t'ont fait l'histoire, qui parlent en pile que États-Unis à prendre. Mais à l'exception, de yun nan moun kap dominé les États-Unis, Kim Jong-un, Pyongyang de Rocketman, qui lui-même qui déclarait que le pape, il dit que États-Unis kal nan n'importe pays, mais pas pays, le pays ça, à côté que lui-même, de côté par le Corée du Nord là, non. Monsieur dit que, moi, bay à président américain défi, parce que m'pas considéré monsieur lui-même comme président. Ce type, il est un arrogant. Il même déclaré à savoir Kim Jong-un, Pyongyang, de déclarer que le président américain le considère comme un rien. Alors, nous sommes capables de comprendre que un président américain, pour l'autre président, a traité l'aide comme ça. Mais, rappelez-nous qu'on silence de côté président américain, Donald Trump, qui fait en pile l'autre pays peut. Parce que l'un président peut comme ça, l'un président font silence, gon réaction qui a passé. Pas de monde qui connaît ça qui a passé en bas là, dans le moment actuel que n'a pas lié là. Mais, ce qui est certain, c'est que les États-Unis actuellement dans le moment, l'a préparé, il y a un pile problème. Nous, qu'à comprendre, États-Unis, il y a un problème avec la Russie. Si nous sommes capables de détailler pour nous des ennemis que les États-Unis ont à travers le monde, ou qu'à poser cette question, qui s'est préparé au futur? Le président Barack Obama t'a metté dehors dans le pays États-Unis 35 diplomates pays la Russie. Li flanqué au dehors. Li saisi deux buildings qui ont été gagnés aux États-Unis. États-Unis, côté que la Russie, Vladimir Poutine t'a suivi de très près. Avec la montée du président américain, M. Donald Trump, li arrivé normalement déclarer que il y a d'autres personnalités russes avec la pression de équipe nous connaît déjà de parlement yo obligé mettre dehors une équipe diplomate russe yo mettre dehors ici aux États-Unis yo saisi bien encore et deuxième étape là le président Vladimir Poutine pour répondre à États-Unis lui-même tout de côté pâle. Li mettait 700 diplomates américains dehors. Li saisi range que ont gagné dans pays. Range. Li saisi yo et dit monsieur je pas rentrer dans pays là encore. Les États-Unis ont minimum de moins que 2 à 300 diplomates parce que il y a près de 1000 et quelques diplomates de bois. En attendant que contrat au terminé pour dehors. Autorité américaine yo Vin senti qu'il a pris coup.
Et dernier coup qu'il prend, c'est parce que les États-Unis apprennent de côté pays la Russie et pays Kim Jong-un, non, Corée du Nord, ils ont mis ensemble dans le même contexte que États-Unis a mis diplomates, pays saoudien et puis pays Cuba, lui-même de côté parle, il y a 16 diplomates américains, il y a un virus sous eux, et bien, brennek ça y a allé, et jusqu'au moment où on a parlé à là, il n'y a pas reconnaître le monde. Il a simplement parlé à plus de riz. Ça veut dire qu'il a perdu, il n'y a pas jamais rappelé, est-ce que vraiment il était dans le pays Cuba. Dans le contexte, ça, le jeune Kim Jong-un, Pyong-un, je dis encore, population font manifestation. Plus que 100 000 personnes prennent la rue. Nos localités qui ont dit vive Kim Jong-un. Et ils ont dit que le président bat nos âmes, nous prêts pour aller dans la bataille. Mais pour aller dans la bataille, côté après la bataille. Ils ont même demandé que pour traverser la frontière là, pour affronter les soldats américains yo, qui sont dans la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, accompagnés et normalement Corée du Sud, ils ont demandé pour que Corée du Nord et Corée du Sud font seul. Ça veut dire que envahir Corée du Sud pour que eux-mêmes ils viennent faire une seule Corée. Dans ce sens, ça, les États-Unis sont ils que menacés. Et si M. Guetta sur ça, à n'importe moment donné, qu'il y a une intervention de côté pays Corée du Nord. Nous allons continuer parce que grand pile l'autre information après le bail à internet nous yo. Une coutoise de Job Autoriper qui est dans 310 Nord-Ouest 71e Street. Et le téléphone c'est 786-709-8188, 786-344-3822. Il y a deux boss, Job et Angelo, deux professionnels. Nous profitons de saluer eux et nous allons continuer pour nous capables d'informer nos internautes qui suivent nous. Nous remercions nous en pile et puis nous avons dit nous que y a un rendez-vous que nous n'avons pas rapté pour qui ça me choisir pour me parler de gros événements. Ça, hein? C'est parce que nous avons un pile petit monde dans le pays hein, qui n'a pas qu'à l'école. Peut-être matériel, et dans le contexte, ça, je pense que l'important, si nous pas focus sur l'éducation, si nous nous avons une machine dans la rue, même je nous capable pas, ouais, pas besoin, nous avons comprendre qui ça me l'a dit, nous avons besoin d'être des gens qui éduquent, qui forment, mais pour éduquer, pour former, il faut qu'à l'école, dans le contexte, ça, je pense que l'important, nous remercier Plongaillé, qui a présenté le 4 novembre prochain, un concert, un fonds de résine pour faire cob pour aider Timoun à l'école dans le pays d'Haïti pour valiser autres. Nous dit John Lamont merci. Nous dit tant d'aide merci. Nous dit à toutes les parties qui pourraient participer merci. Parce que l'important, groupe GPS, groupe Cœur d'Homme, nous dit merci. Parce que ça, Jean-René Charles et tant d'autres artistes, merci. Ou pral bay 25 dollars, connaît que vous pas bay pour rien. Ou pas bay pour une cause bien déterminée. Pour aller aider, baïti moun yo valise, plume, crayon et autres, pour y aller à l'école. Parce que sans éducation, ou pas rien dans la vie. Ou mettre qu'on était riche, ou posséder des millions. Mais sous pas d'éducation et formation, ou manque un gros bagage. Et de très souvent, c'est sa cause que parfois il y a des monde qui agit par instinct, parce qu'il n'y a pas de chance pour le penser. Mais lorsque vous avez éducation et formation, ça permet au gombré de penser, de réflexion, et qui caille pour aller vers l'avant. Et c'est ça que nous dit, chaque petit monde qui parle des choses pour aller à l'école, il pas jamais trop tard pour aller à l'école. Il met 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou qu'à continuer à l'école. Moi-même tout, c'est apprendre que m'a pas apprendre. Pourquoi je me fin connais? Et je me ta connais que me fin connais, qu'on aime pas jamais qu'on en est même. Je suis à la recherche de la connaissance. C'est effort que m'a fait. Le niveau que m'y a, pour jamais rien. C'est pour me dire nous, comment que me sentim. Et tout autant que m'a mis connaissance, m'a mis connaissance. N'a continué, n'a remercié surtout une équipe qui a présenté un gros événement le 21 samedi, 21 octobre. C'est seule fête qui a bien dans Palm Beach, là, s'il vous plaît. Pour la première fois, on beuve des parties avec New Look dans West Palm Beach. Simplement 20 dollars à l'avance. Dans Activation Center. Et puis, il y a une participation, une sœur, qui est le sœur Mona. Adresse là, c'est 2845 Not Military. Nous invitons tout auditeur, tout éternel, nous, partout.
dans New Look, un événement sans pareil. N'a pas suivre les gros dossiers de l'actualité, on nous tombe là, dans un pays, côté que en Éthiopie, un pays qui a avancé là, dans le moment actuel que n'a pas lié là. Éthiopie a déclaré que gagne un pays au pape Jean Cablier. Je dis à la, un représentant parlait. Il parlait de pays d'Haïti. Côté que nous rappelons, sur le gouvernement du président haïtien, l'ancien président haïtien, monsieur Jean-Claude Duvalier, qui, à l'époque, l'Éthiopie t'a passé un moment de misère, un moment de souffrance, un moment de tribulation, un peuple qui t'a quémandé, et qui, je dis, à la, capable de manger, et qui capable de boire, yo organisé, yo. Et le ça, nous rappelez-nous, les États-Unis, t'es une coalition des artistes, parmi eux, Michael Jackson et tant d'autres artistes, t'es participé dans un grand concert, pour t'es réalisé un fundraising pour l'Éthiopie. Et, dans un moment, yo t'es normalement font musique, qui t'es gué pour titre, We are the world. Nous sommes le monde. Nous, c'est le monde. Musique, ça a été qu'on a impact. Et CD, que vous-même, vous avez fait, comme ça, vous avez remettre à une organisation pour être capable d'aider le pays, l'Éthiopie, qui était dans un grand goût, dans une famine. Et me rappelez, et je tiens à saluer l'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier dans son demeure. Haïti te fait parler de lui tout. Les qui ont demandé à Haïti qui salabaye. Le président Jean-Claude Duvalier avait déclaré. C'est un pays nègre. Haïti tient à donner son support. Le support est clair. Et le président Jean-Claude Duvalier, il t'a fait bailler un chèque de au moins $50,000 à l'Éthiopie. Ça a été dans l'Éthiopie. Et je dis à la, je te réitéré pour remercier tout le monde à l'époque qui t'a aidé et le nom Haïti t'a répété parce que nous t'es dans la liste de donateurs. Et ces mêmes gens nous rappelaient nous en 1943 sur le président Lescaut, Haïti t'a fait cadeau à États-Unis $1,000,000 parce que États-Unis étaient dans la guerre, ils étaient besoin de support, et comme ça, ils étaient entrés dans le fond à New York. C'est pour nous dire que Haïti fait pile bien. Mais parfois, les nappes fait bien, nous pas une réciprocité, le pays nous fait bien, yo, de très souvent, réciprocité, les vies nous coup de bâton. C'est le cas de pays, des pays. Bon, si nous, on paye $1,000,000, normalement, nous faut cadeau. Haïti reste une grande nation. L'Éthiopie est haute, parce que c'est pas, c'est pour nous dire oui, parce que États-Unis vit une grande puissance. Mais nous connaît que, je dis à tout à dire, États-Unis ont fait le cadeau $1,000,000 à prix. Mais à l'époque, en 1943, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était bien. Et si on moun, moi t'ai dit l'autre jour, si on allait dans BRH, eh bien, on a des possibilités pour capable copier chèque ça. C'est pour montrer non que la valeur d'Haïti, parce que c'est pas prendre qu'on prend dans mes pays tout, eh bien, nous qu'on baille tout. Nous sommes pays donateurs. Si gagne dans l'IS États-Unis, s'il a parlé de pays qu'aidel, Haïti aidel pour indépendance li, Haïti aidel après indépendance li, Haïti aidel États-Unis économiquement. C'est pour nous montrer la grandeur de ce pays Haïti. Alors, on pas fait trop vantard, mais c'est des preuves que nous baou de la valeur de ce pays Haïti. Et me rappelle très bien pour l'histoire Libye, les que normalement tu as pris indépendance yo. Haïti t'a aidé au point indépendance, ça fait que Gonru qui est là au Port-au-Prince, il fait parce que Haïti t'a bataille pour yo. Nous avons fait l'histoire.
C'est pour nous dire, il y a internet, nous n'avons pas jamais découragé, reconnaître que Haïti, c'est un grand pays. Nous avons des timers, mais c'est un grand pays. Et le jour où nous reconnaissons valeur, nous, valeur historique, nous, et bien, nous dit, mais pour qui ça n'a fait un ça, pour qui ça n'a boulé caoutchouc, pour qui ça peut nous pas à l'école, pour qui ça grave affrontement entre nous, pour qui ça que nous-mêmes, et n'a bataille entre nous, pour qui ça n'a pas qu'à unifier nous. Et m'a pas dit que c'est étranger à cause qu'on pas voulu unifier ou. Parce que étranger a pas rien la donne. Nous qu'a changé de propre tête pas nous. Nous qu'a changé. Et c'est rassuré que Haïti a bien pour changer. On nous continue dans l'autre information que nous parlons, mais en attendant, n'a pas profité quand même, remercier surtout sponsor nous yo, Collins Hughes Auto Sales, qui dans 530 Nord-Ouest 71e Avenue, n'a pas salué Street, téléphone 786-312-7226. Kofi, nous remercions, pour support ou, nous remercions pour participation pour, nous remercions de tout ça que vous représentez. N'a pas rappelé que Kofi Use Auto Sales, monsieur, il en pile machine là, à la disposition de tout le monde qui ont même qui t'appelait. Et puis, la radio de Molosco. Invitez-nous, c'est important. Radio A, pour nous continuer à écouter, prends le téléphone, pas oublier, et puis, m'a salué Marc Nestor, qui lui-même, qui est dans 5950 Okeechobee Boulevard, dans West Palm Beach. Et le téléphone, c'est le 561-460-1398. 561-460-1398, pour Obama Kerlan, n'a besoin Marc Nestor. Et puis, n'a pas profité de saluer Jonathan de Segun.com, qui lui-même, nous connaît que n'a pas rencontré monsieur là, dans le jour Cabinio. Et puis, Ernst Renelik, 561-255-50-99, Ernst, mando que vous banon appel, s'il vous plaît. Et puis, n'a pas toute équipe là, Jeff, qui est en direct là, côté que demain, si Dieu veut, président américain, t'as supposé, dans Porto Rico, et li supposé mercredi Cabinio là, li t'a supposé normalement dans Las Vegas pour la rencontrer parents yo. N'a pas rappelé à toutes les amis qui ont suivi nous, salut Gabner, Germain, nous connaissons que Gabner c'est une paralégale qui a des avocats expérimentés pour tout le monde qui a besoin de Gabner. Demain, m'a donné des informations à ce sujet. Nous saluons Rodney et toute l'équipe au complet, mais n'a dit nous que rendez-vous c'est pour le 4, j'aime te dire nous tout à l'heure là. Et puis, nous dit que c'est un plaisir que tu es avec nous. Non pas, c'est Edouard Laventure, Ernest Moloscott. Moi, remets-nous en pile. Rêtez sur la grâce de Dieu. Nous profiter, remercier toute radio que tu relais nous yo. Nous saluer yo, nous dit nous téléphone 641-793-4077. Ou 701-719-9714. Nous saluons tous les amis, nous disons Kébéla, et puis n'a pas profité, saluer Bleu Damon Hôtel, Nabouchette 95. Bonsoir. Avec consulat haïtien, qui lui-même, qui est en Guyane française, côté des haïtiens, qui n'ont situation vraiment pas bon, et nous fait le devoir, pour nous capable informer autorité nous yo, parce que nous haïtiens qui à l'étranger là, normalement il faut que nous voyons les yeux. Et dans le contexte ça, nous pensons que l'important, nous obligés et son devoir pour nous informer nous. Mais avant de passer avec annonce publicitaire nous, on a fait saluer RC Caribbean Restaurant et plusieurs autres business, mais en attendant, on a commencé par nos nouvelles. Après, on a gagné pour nous retourner là. C'est pour nous montrer que haïtiens, y a passé et partout côté au passé, eh bien, c'est dans la misère, dans la souffrance, dans la humiliation. Alors, nous lançons appel là. Nous connaissons que l'autorité haïtienne a grand pile problème. Surtout le gouvernement qui est en place là. Mais l'important, pour ouvrir les yeux, ce monde ça a passé misère dans la Guyane française. Et nous comprenons. Il y a maman, il y a petite, il y a papa. Eh bien, le monde ça a un état vraiment pas bon. Il y a une jeune fille. Je dis à la, yo t'a déporté, il est entré en 2016 dans la Guyane française. Il est à l'école, autorité de Québec passeport. Il est vraiment professionnel, t'es allemand pour lui parce qu'il est très intelligente. Et je dis à service immigration dans la Guyane française, mandé, flanquer le deux dans le pays. N'a pas gagné pour nous porter plus d'informations pour internautes qui a suivre là.
Normalement, on va continuer avec l'information que nous allons bail à internautes, nos amis qui avaient suivi nous là. Mercredi passé, nous avons dit nos nouvelles. Côté que un représentant Haïti s'est déclaré, il va le faire États-Unis crier. Il te dit semaine, ça a cap vignon là. Bon frappement qui va le faire très dur. Jusqu'à présent, vraiment hier soir, les États-Unis frappaient. Il frappait pas propre petite lit. Et nous rappelons que représentant ça, te déclaré que yoguette en dans États-Unis. Et nous rappelons que m'était ba nos nouvelles là. Dans le contexte ça, hier soir, il était 10 heures, au moins 8 minutes. Normalement, gagne yon, un monde qui lui-même, qui fait actualité, a, qui rentrait dans l'histoire. C'est Stephen Paddock. Ça, c'est non, monsieur. Qui a 64 ans. Information que t'as tombé, c'est que monsieur t'a converti dans l'islam, ça fait 4 mois de ça. Mais qui pourrait avoir trop de confirmations en ce sens? Monsieur, son comptable. Retraité. Mais en anglais, au durant, en accounting. Monsieur, retraité. Et normalement, monsieur te fait le devoir à son âge pour que lui-même, l'elfine travaille, eh bien, monsieur te remet à un casino et qui ça le compte jouer. Il compte jouer pour que chaque meilleur, c'est $100 que le jouer. Et c'est dans le moment ça, monsieur, d'après Frel, qui lui-même, qui t'a suivi monsieur, Frère a dit que monsieur, son est qui très sage, et n'a pas rappelé à internaute qui a pu suivre nous là, premier côté que monsieur était fait expérience, il était fait dans Orlando, en Floride, côté que monsieur était marié à madame ni, à savoir Stephen Paddock, il vient divorcer avec madame, non. Mais, dans le même contexte ça, monsieur était venu à vivre dans une zone mesquite, dans Nevada, non petite localité qui est très croyante. Et dans le même sens, ça, après divorce, monsieur, frère qui est Eric, pas de gain chance, à savoir Eric Paddock, pas de gain chance pour te vivre à papal. C'est avec maman que tu vives. N'a pas rappelé à internaute qui a pu suivre nous là, n'a pas suivre les grands dossiers de l'actualité, Stephen Paddock. Monsieur, normalement, t'es walkie-talkie, eh bien, off. Monsieur tendait, eh bien, son walkie-talkie, allez, des messages qui a passé. Et c'est dans le moment ça, que la situation est arrivée dans la phase. Côté que, en pile, moun vina poser question. Et, monsieur lui-même tout de côté pâle, monsieur la les âmes, les fusillés tête lui. C'est pour nous rappeler à internautes nous y'a capé suivre là. Yon situation qui était vraiment triste hier soir et jusqu'à présent, en pile moun a réfléchi. Jodi à la, ISIS yon même de côté pâle, annoncé officiellement que attaque ça, si au même qui d'ailleurs. Mais service secret les États-Unis déclaré, il y a pas aucune preuve pour capable dire que son action terroriste de côté ISIS. ISIS décidé prend crédit. Mais nous connaît que mouvement ça, son mouvement de terreur que lié tout, son mouvement terroriste que le taillé. Les ISIS eux-mêmes, ils ont choisi faire une telle déclaration, ils ont choisi pour prendre crédit. Mais autorité américaine a déclaré, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur, son élément, un madman, un badman, qui lui-même qui choisit peut-être de traverser son impasse, d'après autorité américaine, qui est à cause que monsieur fait action. Mais il a continué à mener enquête. Et nous-mêmes, nous avons suivi et nous rassurer, nous, à la minute, nous avons gagné pour nous capables informer, non. On tombe dans l'autre information ici aux États-Unis aussi. On tombe direct.
dans un pays qui lui-même toujours aux États-Unis, mais n'a pas le point une part des États-Unis dans Porto Rico. De côté Porto Rico, demain si je veux, il y a tant de présidents américains hein, pour que tu rentré dans Porto Rico. Mais grande difficulté de côté président, c'est que le président américain, M. Donald Trump, côté que moun Porto Rico, il dit que il pas oublié président, que le tagon dette pour yo une dette qui t'a évalué à 33 millions de dollars. Nan moment où président est dans business et nan moment business président te vin crash, ça veut dire que il t'est tombé bankruptcy. Dans sens ça, président est obligé pas de payer comme ça. Dans contexte ça, n'a pas rappelé à internaute qui a pêché nous là. Le président Donald Trump, population a déclaré qu'il y a tant ni dans Porto Rico. Et date ça, t'a obligé rentrer déjà dans le pays. C'est parce que li pas de respect pour mon Porto Rico yo, qui ont parti de États-Unis. Dans le même contexte ça, n'a pas rappelé que président, c'est certain, mercredi qu'a vini là, li obligé pour li rendre dans Las Vegas. Côté que li pral rencontrer parents victimes yo et côté que émettre ça te causé ya. Yo dit à président si que lui-même de côté pas l'état choisi pour que le pas vini Porto Rico, c'est sûr mon yo dit yo pas besoin présence encore. Mais n'a pas rappelé à internet nou yo que moment ça li favorable à président américain hein, monsieur Donald Trump. Ça dépend de gens pral gérer popularité ça. Jean que nous te dit pour pays d'Haïti, c'est l'histoire qu'a répété encore. C'est comme si que c'est presque même histoire qu'a répété. Nous rappelons un président qui est impopulaire, littéralé Jean que tout le monde connaît déjà, monsieur George Bush. Les que il te prend pouvoir sous président sous candidat à la présidence Al Gore. Normalement, pile moun ta pris président américain à l'époque. Yon président impopulaire, manifestation, mécontentement de moun yo, yon déclare. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, salutations à toutes internautes nou yo. Toutes amis qui ont suivi nous là, dans une émission spéciale que nous allons présenter parce que jeudi à c'est 2 octobre 2017 côté que nous allons informer nos internautes et nos téléspectateurs amis qui ont suivi nous sous onde radio Moloscotla et tant d'autres stations de radio à travers le monde spécialement en Haïti, Tripotay Lakay, nous gagnera Balade FM, nous gagnons tant d'autres stations qui relaient nous. Et dans le contexte, ça, nous pensons que l'important, surtout le monde qui a même, qui n'a pas de chance peut-être suivre nous sur Facebook, mais il est capable de former le numéro ça. Si vous êtes dans la rue, il est capable de former le 641-793-4077. 641-793-4077 ou bien 701-719-9714. Nous capables de suivre en direct les grands dossiers de l'actualité et dans Radio Moloscot là. Dans le contexte ça, nous saluons toutes les radios qui relaient nous, que peut-être nous pas cité nous là, mais quand même, nous connaissons que qui relaient nous là et chaînes de télévision qui toujours fait comme d'habitude. Non, Pam, c'est Edouard l'aventure Ernest Moloscot. Nous prenons le passé, un bon petit temps ensemble avec internaute Nuyo. Et nous prenons le gagnant pour nous informer nous à la minute de tout ce qui a passé à travers le monde. Encore une fois, nous saluons toutes nos amis et puis nous profiter avant que nous commencions. Nous prenons le gagnant une information triste que nous prenons le bail là. Que nous pensons que qui pourrait concerner normalement haïtien
cap et vive à l'extérieur, surtout dans la Guyane française. Dans le moment actuel que nous parlons là, il y a un groupe haïtien qui est même qui réfugie dans la Guyane française. Et côté que, il y a un consulat haïtien dans la Guyane française. Information que nous apprenons de bonnes sources, c'est que le gouvernement français, de côté Payot, yota normalement, d'un côté que haïtien sa yo te bâti kayo. Non, auteur, eh bien, autorité la France yo décidé dit que zone très dangereux, haïtien sa yo pap karité là, yo krasé tout kay sa yo nan moment na palia là. Haïtien lagué deux bras pendiers. Nan la rue, kote yo pa konn ki sa ke pou yo fè. Et autorité nan Guyane française yo pas décidé aider yo. Yo pas connait si que moun sa aussi pour yo rentrer en Haïti ou bien côté que pour y aller. Mais pression très dure côté nous mandé à gouvernement haïtien. Nan moment n'a parlé là parce que y a pe suivre nous là en direct. N'a mandé en urgence s'il vous plaît. Voyez une délégation nan Guyane française. Accompagner consul qui est dans Guyane française là pour nous connait qui ça que gouvernement français a fait avec pile haïtien sa yo quelque autorité écrasé kayo côté moun sa yo pas connait qui ça y a prié yo pas connait si pour monter si pour descendre yo lagué dans la rue ya, moment important pour le gouvernement haïtien normalement pour yo capable essayer ouais si vous êtes capable de résoudre le problème ça avec le gouvernement français. Parce que Haïti a une situation qui est délicate. Et dans le point ça, nous pensons que l'important de lancer alerte là à l'autorité haïtienne. Si vous des consuls capteurs de nous là dans l'autre pays, essayez de rentrer en contact. Il y a un papal qui te relé M. Benjamin Hoskin Paddock. C'est non papal. Dans le même sens, ça, n'a pas rappelé à internautes et auditeurs qui peuvent suivre les grands dossiers de l'actualité. Papal, M. Benjamin Hoskin Paddock, en juin 1969, papa est arrivé à casser une banque. Monsieur volait tout comme Monsieur sauvé. Enquête vient de mener la police qui est monsieur. Dans même 1969, ça, il mettait monsieur en prison. Dans même année, monsieur Benjamin Hoskin Paddock, il cassait prison, il sauvait tête. Monsieur passé, il fait prendre la fuite. Et depuis lors, monsieur, il était l'homme most wanted. Ça veut dire que moun qui était plus recherché par service FBI ici aux États-Unis d'Amérique. Papa Stephen Paddock, dans moment ça, l'elfine cassé banque long. Et bien situation te vine un peu dure. Monsieur sauvé, monsieur, il y a pas de cas jeune monsieur. Monsieur fait 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Le 5 mai 1977, il était arrivé vraiment arrêter monsieur, rejoindre monsieur dans zone Oregon. Et c'est là, en 1978, les qui ont fini arrêter monsieur, eh bien, monsieur était arrêté dans prison. Et pendant ce temps, le petit frère de Stephen Paddock, qui était Eric Paddock, monsieur pas de jambe bien chance pour te vivre à papal. Et à la fin, papa Stephen Paddock te vine mon dernier soupir li. De côté Stephen Paddock, monsieur non dit que monsieur c'est ton comptable. Et pendant ce temps, yon nan baga en 1908, n'a pas rappelé que gon histoire te baille, et en 19,
En 1908, situation un peu grave, la famille Paddock, il était rentré un peu dans l'histoire. Mais son famille qui t'a suivi, et papa, nous dit ça qui t'est passé, lui. Normalement, de 1969 à 1978, et à la fin, ce jeune Stephen Paddock, monsieur était très intelligent, courtois, sage, mais monsieur, t'es venu apprendre pilote. Information que de recevoir, monsieur était marié à une dame, madame Ni, et normalement, madame Stéphane Paddock divorcée avec elle, et dame nan, dans le moment actuel que n'a pas là, la vive dans Californie. Une information que de recevoir de Stéphane Paddock. Monsieur, normalement, monsieur, t'es, depuis jeudi soir, monsieur était dans l'hôtel là. Et monsieur dans l'hôtel là, d'après Servantio, moun kap fè chanmio, yo toujours un monsieur très croyant. Et yo pas de jamais remarqué que on trace des âmes en dedans. Mais pendant ce temps, monsieur rentré en dedans l'hôtel là, avec machine gun. Rafale. Monsieur rentré avec zam kout, zam long. Les monsieur rentré en dedans hôtel là parce que il était annoncé depuis 2 mois pral gagner un grand concert country music. Côté que dans monde de country music là, c'est en pile moun qui pral la donne, en pile génération. T'es gagné au moins 23 000 moun qui participaient dans le concert dimanche ça là. Dans ce sens ça, depuis jeudi soir, monsieur préparé. Monsieur rentré en dedans avec Amerly. Monsieur rentré avec un rache pour bien préparer un bon créole. Monsieur rentré à rache là et puis monsieur rentré avec Rafala, Zamna, au moins 3 âmes comme ça, de pointe. Et monsieur rentré avec un pile munitions en dedans hôtel là. Hier soir, au moins plus que 22 à 23 000 moun réunis dans Las Vegas. Côté qui a chanté avec un pile contentement. Bravo! Parce que t'es un grand artiste qui t'a fait concert ça. Y'a même moun qui t'a décidé marié joue concert ça là. Et c'est un moment que Stephen Paddock, 64 ans, monsieur était dans 32e floor, et monsieur choisit pour que il fait action, il t'a pas le faire. Avant de faire, il pas crasé vitio avec Zamnon, il crasé avec rache que le t'gain dans chambre. Et le ça il prend Zamni à la hauteur, et puis nous connaissons que l'on est 32e floor, où on a gardé tout le monde en bas, au moins 22 à 23 000 mouns, où il y a un raffole, un gros âme, capturé à la seconde, et balio, les hauts tirés, et bien qu'il y a même 20, 25 000 mouns à la seconde. Ça dépend de gens que le tire. C'est dans le moment ça que monsieur choisit à 10h08 du soir, eh bien, monsieur commençait à mettre balle sous moun. L'air commençait à tirer, moun yote pensait que c'est feu d'artifice. Et c'est l'air au gade, yoye moun ap tombé à terre, moun ap rampé à terre, moun pied cassé, moun prend balle dans tête, moun prend balle dans jambe, moun prend balle dans ventre. Côté que balle a détripé moun. Plus que 59 moun mourir en attendant. Plus que 500 moun blessés très grave. Yon situation qui lui-même qui baille en pile moun à penser. Mais, nan point ça, nan kay ke l'te rete a, te gon dame qui rele Marie Lou Donley.
cette jeune fille qui, dans le même moment, parce que monsieur était dans l'hôtel là, il fit une faction. Cette fille, Marie-Lou Donnelly, était gagnée pour lui capable de rentrer aux États-Unis hier. Il a raté vol là. Parce que c'est mon Philippine, l'Ital Philippine. Le raté vol là, il était pour le rentrer jeudi. De justesse, cette dame, lui-même de côté pâle, qui était resté dans Kaila, avec Stephen Paddock, il n'y a pas de chance pour le rentrer. Il a raté vol là, accepté rester dans les Philippines. Et puis, action, ça a passé. Je dis à un moment où on a parlé là, normalement, il dit que Mounsayo a une chance en pile. Les FBI, service secret, allé dans Kaila, même avant dans Kaila, nous connaissons que dans la chambre que M. était dans la 32e floor, les que soit team, a cherché pour rentrer en dedans, ils pas capable. Ils ont obligé d'exploser porte là. Pendant que M. en dame, M. a continué à mettre des balles au monde. Les ont explosé porte là. M. tant d'explosions, il tant de, nous connaissons que les ont action pour le fait. De très souvent, eh bien, autorité ça a dit que c'est erreur ça a fait. Ils ont pas mis